bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et oh boy, que je suis excitée de te montrer ce que j'ai reçu dans la Boxylux, ou Boxylux du mois de septembre 2018. La Boxylux. Dans le fond, c'est la grande sœur de la Boxycharm. Elle contient environ 11 ou 12 produits, plein format, versus la Boxycharm, qui est un abonnement mensuel qui te coûte environ 21 US, plus environ 6-7 au niveau des frais de manutention et de livraison. La Boxylux arrive à tous les 3 mois. Elle a commencé en septembre 2018. J'ai été capable de mettre la main dessus et j'en ai une. Elle est là. Et je vais la ouvrir avec toi dans 2 secondes. Le premier item que j'ai reçu dans ma boîte Boxylux, la Boxylux qui est la superbe boîte avec 11 produits, c'est la palette Park Avenue Princess de la compagnie Tarte. Je voulais cette palette-là, non pas parce que le package ou la boîte est superbe, parce que vraiment, il est superbe, mais parce que vous avez de belles couleurs à l'intérieur, comme ceci. Vous avez 4 bronzers, 2 mats et 2 shims, puis vous avez 2 highlights, un mat et un shim, ou un shimmer, ou un plus sparkly. C'est-tu pas beautiful? Est-ce qu'on veut la boîte juste pour le package? Non, mais des fois, on se demande si le package ne fait pas la différence. Je crois que oui. Donc, 45 $ la palette Park Avenue Princess de Tarte. Génial. Ma boîte me coûte 48 $. 45 $. On est prêt à pouvoir combler tout ce qu'on avait besoin. Pour faire suite de la compagnie Pretty Vulgar, ça s'appelle la palette Nightingale Smoke Eyeshadow Palette. Donc, ça dit Embrace Your Beautiful Crown Tradition. Donc, voici la palette comme suit. Tu vois qu'il y a des couleurs un peu plus mat, des couleurs un peu finies satinées et des couleurs tout à fait shimmer. Ça vient avec un petit miroir. J'aime bien la palette. J'ai bien hâte de tester les couleurs. Donc, voici pour la Nightingale Smoky Eyeshadow Palette qui se vend 35 $. Fait que déjà là, 45 plus 35, on est quand même pas mal. C'est quand même pas trop mal. Un primer de la compagnie Smashbox. Ce primer-là, il s'appelle le So Chill Coconut Primer Water. Je pense qu'il y en a 4 versions. Laisse-moi regarder. Non, ça c'est Smashbox. Je m'excuse. Il disait que c'était une édition limitée du Photo Finish Primer Water. Dans le fond, c'est un eau primer qui a des électrolytes et puis ça permet d'hydrater, préparer et rafraîchir ta peau. Tu peux l'utiliser comme primer ou pour faire un petit refresh ou un petit rafraîchissement de ton maquillage durant la journée. Ça se vend 32 $. Donc, la est au coconut et je ne tente pas d'essayer le vapeau. Donc, on va la sentir. Oui, ça sent. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Donc, voici la Photo Finish So Chill Coconut Primer Water de Smashbox. C'est un plein format. C'est un format de 116 ml. Donc, pas mal pour le primer. On a reçu de la compagnie Juice Beauty. J'ai reçu un soin hydratant anti-rides, un produit à base de sel souche, de vitamine C et de vitamine E. Donc, mais ce que je trouve cool, c'est qu'on a reçu quand même un format de 50 ml, comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est que ici, on a une petite pompe, et quand tu appuies sur la pompe, le produit sort. Donc, voilà le produit qui est sorti en appliquant un petit coup de pompe. J'espère que tu vois bien, c'est pas évident. Donc, ça sent beaucoup le citron, la lime.
C'est organique, donc ça veut rien dire, mais c'est quand même organique. Ça se vend 70 $. Par la suite, on a reçu un pinceau de la compagnie Luxie, comme ceci. C'est le Luxie 732 Airbrush Foundation. Tu vois ici? Ça, là, c'est génial. Fourni. On a une belle brosse, vraiment, avec des poils. C'est super doux. C'est très ergonomique. Et puis, Luxie, si tu vas sur leur site, tu ne peux même pas encore acheter cette petite brosse parce qu'elle n'est pas encore disponible. Nous l'avons reçue et elle vaut combien? Elle vaut 38 $. Donc, écœurant. J'ai bien hâte d'essayer cette petite brosse. On a reçu par la suite de la compagnie Laura Geller. C'est un Bake Blush and Brighten. Dans le fond, c'est un fard à joues. Bake fard à joues. Et aussi, ça va être un shimmer. Wow, c'est vraiment joli. Donc, moi, je l'ai reçu dans la couleur Tropic You. Donc, Bake Blush and Brighten de Laura Geller. Qu'est-ce que ça dit, Laura Geller, Laura Geller? 28 $. Donc, c'est ça. C'est cuit. Et puis, sur des tuiles de terracotta. Et c'est fini à la main. Et ça donne un effet très soyeux et silky. Donc, voilà, tu peux l'utiliser comme ça, ou en dessous, ou avec ton fond de teint. Et puis, c'est 28 $ pour ce produit-là, qui est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'on a reçu par la suite? Ah, on a reçu trois pinceaux de la compagnie Alamar. Alamar nous avait envoyé, il y a quelques mois, une superbe palette. Je pense que c'était au mois de juillet, une superbe palette de maquillage d'ombre à paupières. Excusez-moi, une superbe palette d'ombre à paupières. Donc, voilà, on a reçu trois beaux pinceaux. Hein? Un pinceau plus touffu, un peu pour faire un smoky. On a reçu un pinceau pour appliquer l'ombre à paupières sur la paupière et un pinceau qui est droit, qu'on pourrait utiliser pour faire la ligne en dessous de l'œil ou pour mettre du eyeliner. Donc voilà un trio de pinceaux de la compagnie Alamar. Et combien ça coûte? Il s'appelle le Hojito Brush Set et il est vendu à 18 $. On a reçu par la suite un petit bandeau qu'on met quand on se démaquille. Et ce petit bandeau-là vient de la compagnie Vintage Cosmetic Company. Et c'est un standard, je veux dire, rien d'extraordinaire. Il y a des petits pois, c'est mignon, avec une petite boucle. Le traditionnel petit bandeau. Et il se vend à 5 $. C'est en coton, c'est assez épais, mais bon, voilà, on l'a eu, c'est cool. Et puis, c'est pratique quand on se démaquille. On n'en a pas tout le temps un ou on veut toujours acheter un truc comme ça. Et puis, ils nous en ont mis un. Fait cool, 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 cool. J'ai reçu par la suite de la compagnie Airco. Ça s'appelle Death Valley, Vallée de la mort. Un shampoing sec. Donc, c'est un format de voyage, c'est 75 ml. Et puis, ça dit que Death Valley est le moyen le plus rapide d'apporter du volume et du corps à vos cheveux. Donnez à vos cheveux un coup de Death Valley quand vous voulez leur rendre vie. Donc, pour ceux-là qui ne connaissent pas les shampoings secs, c'est une poudre, elle est absorbée dans ton cheveu, ou plutôt la poudre va dans ton cheveu, cuir chevelu absorbe l'huile, et t'as pas obligé de te laver les cheveux. Il y a beaucoup de monde qui aime ça parce que ça donne un super boost de volume. On a eu par la suite de la compagnie Violette Voss, Violette Voss, oui, un lippy, ou on appelle un liquid lipstick ou un rouge à lèvres liquide. Oh! Un mat. Un liquid lipstick mat. Comme ceci. C'est une très belle couleur. Qu'est-ce que ça dit? Violet Voss Liquid Lipstick. Formule avec beaucoup de pigmentation.
C'est long lasting, donc ça dure très longtemps, ça sèche vite et ça donne un super look mat. C'est en train de sécher. On va bien voir si ça donne un super look mat. Et ça vaut 12 $. Donc quand même, c'est pas trop mal. De la compagnie Violet Voss et j'ai eu la couleur Wasted. Wasted. Ok, cool comme nom. Et pour finir, j'ai reçu de la compagnie Sol Janeiro, une huile pour le corps, une huile glow. C'est-tu pas mignon? Franchement, les packages, là, les petits contenants me font craquer. Wow, 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 wow. Et voilà, de la compagnie Sol Janeiro, un body shimmer ou une huile pour le corps qui est supposée d'être une huile sèche. Oh my god. Oh, ça sent bon, ça sent bon. Pour les gens qui ont vu ma vidéo il y a quelques mois, je crois, du mois de juillet, il y avait la Bomb Bomb Cream. Ah, ça sent pas comme la Bomb Bomb Cream, mais un peu la grande sœur de Bomb Bomb Cream. Donc, vous voyez un petit peu, là, c'est une huile qui va vous donner un effet shimmer. Donc, vous pouvez en mettre ici, vous pouvez en mettre dans le cou, dans le visage, un peu partout. Et vraiment, c'est une huile qui sèche et ça sèche vite. Et ça donne un super beau finish, un fini, excusez-moi, un beau glow, un beau côté shimmer, un petit côté sexy, hein? C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. La seule chose que je trouve un peu plate, c'est qu'on n'ait pas reçu ça au mois de juillet. Ce produit-là, parce que ça aurait été vraiment génial de pouvoir en appliquer quand on a un beau bronzage pendant les mois de l'été. En tout cas, ici au Québec, c'est pas très long. Donc, comment ça coûte ça? Comment ça coûte? Comment ça coûte? Comment ça coûte? Comment ça coûte? Ça s'appelle le Sol de Janeiro Glow Oil. Et ça se vend 35 $. Donc, c'est une huile sèche qui n'est pas collante et qui vous donne un look de glow du matin au soir et vous avez l'air d'une super babe brésilienne, donc 35 $. Ça a fait le tour des 11 produits. Ah, vous avez peut-être pas vu, mais on a reçu aussi un beau tote. On va le mettre à l'endroit. Un tote. Et Charmer, donc un sac, qui est un cadeau, le 12e article qu'on a eu. Donc, 11 articles. On en a eu pour au-dessus de 300 $, vraiment beaucoup plus que le prix de la boîte qui est 48 $ US plus le transport, 8 $ environ pour nous au Canada. Est-ce que la box, est-ce que la box, est-ce que la box, est-ce que la boîte en vaut la peine? Oui. Est-ce que je suis contente de tous les produits que j'ai reçus? Oui. Est-ce que je veux avoir celle-là qui va être au mois de décembre? Absolument. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, cette boîte-là, elle est disponible aux 3 mois. Donc, quand je n'ai pas une super BoxyLox, je reçois la BoxyCharm standard. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de ma BoxyCharm, je vais te mettre quelques liens en dessous où tu pourras voir qu'est-ce qui est le contenu d'une boîte BoxyCharm standard, qui est un abonnement mensuel, comme je disais encore, de 21 $, et la super BoxyLox, qui est de 48 $ US et 8 $ pour le shipping. J'adore, je suis contente. J'en veux une autre. J'en voudrais en recevoir plein, 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 plein de BoxyLox. Donc, voilà. Tu as vu en même temps, moi, qu'est-ce qu'il y avait dans ma BoxyLox. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je ne me suis même pas déshabillée. Je me suis même pas déshabillée. Je n'avais pas vraiment à me déshabiller, mais je ne me suis pas maquillée. Je ne me suis pas préparée. Tu me vois comme je suis. Donc, voilà. J'espère que tu as aimé ça. Et puis, donne-moi un thumbs up. Abonne-toi à ma chaîne si tu aimes ça, parce que j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent. Et puis, voilà. En attendant, je te donne des gros bisous et à la prochaine.